Allô, allô, il y a des gens en pisse. Désolé, je sais pas ce qui s'est passé, les amis. Il y a une coupure un petit peu brutale pour ma part. Donc, je sais pas si du tout si le live est reparti ou pas du tout. Je sais pas si vous êtes encore là, les amis. On va le voir tout de suite. Donc, je sais pas ce qui s'est passé. Ça s'est coupé. Brutalement. Donc, les amis, on est encore parti pour. Pour pas très longtemps, hein. On est reparti pour à peine 12 minutes. Une coupure de tout. J'avais plus d'électricité, plus rien. Donc voilà, nous revoilà. Désolé pour cette petite coupure de 5-10 minutes, je pense. C'est des choses qui arrivent. J'étais complètement dans le noir. J'ai eu peur. Je t'y jure, j'ai eu peur. Bon, on est encore dans la même map. C'est bon. Alors voilà. Bon, il va falloir que je fasse un montage sur cette vidéo pour la mettre sur YouTube parce que sinon, ça sera en deux parties. Donc, il y aura certainement pas de rediffusion, les amis, malheureusement. Si ça coupait ou si j'arrive à mettre les deux rediffusions l'une après l'autre, je le ferai. Sinon, pas de rediffusion. En tout cas, voilà. Soit il est. Je sais pas ce qu'ils foutent comme travaux dans l'immeuble, mais faut qu'ils arrêtent de débrancher les trucs, hein. De quoi c'est quoi le sapin de Noël? Bah ça sapin de Noël, marrant les. En tout cas, soyez la bienvenue et soyez le re-bienvenue aux gens. Désolé pour cette petite coupure. Est-ce que vous êtes encore là, les gens? Le mec il demande c'est quoi le sapin, ben, sapin ça sapin non. Bah voilà, je suis désolé. C'est des choses qui peuvent arriver hein, les gens. Donc merci à ceux d'avoir d'être là encore. Les travaux à 19h, bah ouais. Tu sais ça change pas hein. Ce matin 8h30 il y avait des jeunes personnes. 8h30 hein. Le dimanche compris. Hein. Effectivement, ils ont mis un mot comme quoi il allait y avoir des travaux dans l'immeuble. Mais il n'y a pas d'heure. Hein. Donc je peux te dire que quand il est du matin et qu'il essaye de dormir l'après-midi et qu'il y a de la perceuse, je peux te dire que c'est Bibi qu'il a dans les pattes, le mec grognon. Hein. Eux, ils en ont rien à foutre. Je sais pas ce qu'ils ont foutu, mais voilà. Pour le moment, c'est stabilisé. On verra si ça recoupe. Si ça recoupe, bah, y a des chances que bah, j'arrêterai là. Hein. Donc, je vous dis au revoir si jamais ça se reproduit. Au revoir et je vous dirai pas demain, mais après-demain. Je sais pas encore les horaires, mais voilà. Donc, voilà. Au moins, vous êtes avertis que si ça se reproduit, je ne reviendrai pas cette fois. Pour une vingtaine de minutes, ça serait un peu dommage de revenir pour 10 minutes et puis repartir. Voilà. Bon, ça va. J'ai pas perdu ma map. J'ai rien perdu, donc c'est cool. Je sais pas du tout combien de temps ça a duré. Ça m'a paru très long pour moi, mais à vous de me dire. Bon après il y avait pas un peu plus de gens que ça sur le stream malheureusement et qui sont partis. Malheureusement. C'est des choses qui arrivent. Oh si ils ont envie de revenir, ils reviendront, tant pis. J'ai pas allé les chercher par la main. Et le stream est reparti, tu reviens? Le chat aurait fait quelque chose encore. Bah là c'est carrément toute l'électricité, j'étais dans le noir. J'en ai profité pour me palucher un petit peu, mais c'était trop court, hein. Ils ont remis la lumière trop vite.
Du coup, ça m'a perturbé, et j'ai perdu mon élan, et puis j'ai laissé. Tant pis. Je le ferai plus tard. Encore un élite qui donne rien. À croire que c'est 1 sur 2 maintenant, tu sais. Regarde. Carrément ça, hein. J'ai pas dit que je m'occupais de mon chat, oh. Je toucherai pas ça, je ferai pas ça avec mon chat, pauvre bête. T'es dégueulasse. T'as dit que j'ai pris mon élan. Ah! C'est, si j'ai vraiment dit ça, c'était. Franchement, c'est pas voulu. Il y a carrément des mots qui sortent de ma bouche, des fois que c'est absolument pas voulu. C'est encore pire que la maladie de la tourette, quoi. C'est la maladie de la tourette. Au moins, c'est des insultes. Moi, c'est carrément des lapsus. Tu vois, c'est carrément des lapsus en permanence. Et c'est automatique. Je le fais même plus exprès. C'est carrément. Ça fait pas carrément partie de mon vocabulaire. C'est. Après, il y a des gens qui relèvent pas forcément les doubles jeux, les jeux de mots, tout ça. Mais si tu relèves vraiment tous les jeux de mots que je peux dire en la seconde, des fois, t'es surpris. Hein. C'est maladif, c'est devenu maladif avec moi. Après, il y a des gens qui aiment pas parce que voilà, c'est trop vite, ça part trop vite dans le sexe en général, donc ça les aime pas, mais bon. Oui, c'est ça, Nero, ils ont ajouté enfin les élites et les mobs ST, tout simplement. Et d'ailleurs, ces élites en ST que tu peux trouver dans les intersales peuvent looter des fragments de dragons. Donc, si t'as de la chance. Et d'ailleurs, dans les Shadow Cache, il y a un nouveau dragon aussi, avec des fragments où il en faut 5 ans. En plus de l'affiné. Hein. Donc, dans l'ST, il y a quand même 3 dragons à obtenir. Franchement, celui-là qui me dit qu'il sait pas quoi faire alors qu'il vient de commencer le jeu, je lui tire les couilles par les yeux. Vraiment. Oui, 4 avec le Moonlight, mais le Moonlight c'est plus dans le temps. Avec les Lunar Souls, c'est vrai. Shino, Shino nous dit effectivement que c'est 4 dragons et non 4, et non 3. Et Chrysopéa, mais non, le Chrysopéa c'est dans le néon, qu'est-ce qu'il raconte? Qu'est-ce qu'il raconte, Shino? T'as fumé quoi là? Je parle de Shadow of the World, le mec il me sort Chrysopéa alors que c'est dans le néon, tu sais. Je sais pas si c'est encore vraiment d'actualité ça. Ah oui, c'est vrai que c'est soit le néon que tu peux avoir les Kemi, les fragments de Kemi, ou en ouvrant les caisses de fin de ST. C'est vrai que tu peux avoir des fragments aussi là. Mais donc du coup tu peux avoir 5 dragons directement dans ST. J'avais complètement oublié, mais il a tout à fait raison. Eh ben néon, faut que t'arrêtes de fumer, Jamy. Tu perds la tête. Ah mais il a tout à fait raison, c'est juste que c'est. Tu veux, c'est ça va être tellement plus long si tu veux fermer de la sorte pour obtenir le dragon plutôt que d'aller farmer en néon. Franchement, celui-là qui va avoir le Kemi, le Cassiopeia en farmant les ST, je lui dis bon courage parce que c'est tellement aléatoire ce truc. Ce que j'espère, c'est que le stream ne se sera pas arrêté et que ce sera toujours sur la même bande. Parce que sinon, si ça fait deux vidéos, ça va me casser les couilles. Hein. Pour la rediff. Donc du coup, voilà. On verra ce qu'on peut faire, mais...
C'est bon, mama, on a compris que tu révèles tous mes jeux de mots, c'est bon, on a compris. Il en peut plus, il salive, il bande, il mouille, il en a foutu partout. Moi, j'aurais fait quand même 250 boîtes en 2 heures, je trouve ça correct. On finit avec le gros donjon et on va au club et on ouvre ça et on verra si on a eu des trucs. Sinon, pas grave, hein. On est là pour principalement la gemme d'os, donc c'est pas très grave si on n'a pas de bonne gemme, même si ça fait toujours plaisir d'en avoir. Tu peux faire le geste pour déboucher les chiottes avec une ventouse. Qu'est-ce qu'il raconte lui ? Je peux déboucher autre chose que les chiottes, moi, tu vois. Oh bordel. J'en peux plus de cet enfant. Je n'en peux plus. Je l'ai trouvé une fois sur le bord de la route, là, entre la Fnac et Carrefour. J'en peux plus. Bon, allez, on va au club. Bon, allez, on récupère le ça. Hop, on casse tout ça. On a eu quand même quelques stellars, semblant de rien. On va pas se plaindre. Salut Néron. Qu'est-ce que je vais faire? Ouais, je vais mettre les cubes de côté. Hop, hop, voilà. Et on va ouvrir ces boîtes du coup. Bon, déjà, on va ouvrir ça, ça fera de la place. Parce que ça, c'est les boîtes de merde. Ça, c'est quand je vais faire les plumes. Parce que malgré que j'en ai plus besoin, j'y retourne encore. J'aime trop le monde, j'aime trop. Je suis beau, lol. C'est frigo, mais c'est pas grave, maman. Arrêtez avec les commandes, s'il vous plaît. Bon, allez, on va ouvrir ça vite fait. En espérant avoir des étoiles, hein. Je sais pas combien ça donne. Ah, on va avoir quand même pas mal de dust à la fin, hein. Ce serait bien qu'ils disent combien de dust tu récupères à chaque fois que tu daises tout. Ce serait intéressant de savoir quand même. Bon, elles sont où mes boîtes, elles sont là. Ça casse les oreilles quand même, hein. Allez, on y va. Alors, on casse quoi? On casse toutes les une étoile, ça c'est sûr. Alors, qu'est-ce qu'il nous reste? Qu'est-ce qui nous reste? Une 469, critical, critical damage, maximum heal, pourri. 484, critical hit, maximum heal, c'est pourri. 487, perfect, mais pas haute. Perfect magic, mais pas haute. Je la garde. Et une perfect. Ouh! Une perfect physique, 569. Bon, on va essayer de faire ça avec vous. On va essayer de la monter pour voir où est-ce qu'elle va proquer la petite coquine. Est-ce qu'elle va me servir, la petite coquine? Est-ce qu'elle va me servir? Donc, je vais enlever ma petite tête directement, les amis. Ma toute petite tête. Comme ça, vous voyez plus ou moins la gemme. Voilà. Allez, on la met niveau 15, comme ça on va voir où est-ce qu'elle proc. Si possible, un proc, deux proc. Comme d'hab, hein.
Donc premier proc, critical hit. On n'est pas très bien parti. Mais c'est pas encore foutu. Si elle apprend qu'une fois, c'est pas très grave. C'est beaucoup le 10 et 15 qui pose problème. Physical. 1-1. Bon, on va prendre l'effet à cheval pour aller un peu plus vite. Elle va faire un partout, je le sens. Attention. Elle veut pas. Hein. Elle veut toujours pas. Elle veut toujours pas. Parce que à la limite, si elle reproc sur physical, c'est très bien. Critical hit, je m'en voudrais un petit peu. Physical! Ouh! Pour équilibrer, elle est très très bien. Elle est très bien pour équilibrer. Ouh! Allez, je la monte. Je la monte, les amis. Juste des lapis. Allez, on n'a pas le temps, la petite. Allez, fais pas ta maline avec moi. Tu up et tu fermes ta gueule. Voilà, tu up. Tu up. Voilà. Double proc, s'il te plaît. Tu mérites ça. Allez, tu proc, proc, proc et encore. Mais j'ai tout monté. Voilà, double proc, ma cochonne. Double proc. Tu prends ça maintenant. Et tu prends ça aussi. Pardon, excusez-moi. Voilà, on va se terminer sur cette putain de gemme à 1664 sans l'avoir up. C'est très bien. Elle a 11-2 de critical hit. 10 000 de physical, 76 de critical damage. Sur cette classe, il me semblait que le critical damage allait trop monter. Donc c'est très bien. C'est très très bien. Donc j'ai pas de gemme machin. Je vais pour faire de la gemme 2 pour me la garder. Et qu'est-ce que je fais? Je up une. Ça de gnagné. Il va falloir que j'y retourne, les amis. Bon, j'enlève celle à 1474, les amis, de toute manière. Elle est pas mauvaise. C'est juste qu'elle était très basse en PR quand je l'ai montée. Mais elle a les beaux procs. Elle a les bons procs. Et donc, du coup, on privilégie plus le physical et le critical hit sur celle-ci. Mais c'est la seule où ça a un proc sur le critical hit, sur ce perso. Donc c'est pas plus mal, on a gagné un petit peu en PR, on est à 23 623. Il y a eu 3 procs, oui bien sûr, il y a eu 3 procs. Vu que j'étais un tout petit peu à la dèche de critical hit, j'ai gagné un petit peu, j'ai gagné 4%. On commence à monter, ça y est. Grâce au double proc du physical, on atteint les 3 millions de coef. Je sais pas si vous pouvez voir sur le machin. De toute façon, je vais changer ça. Voilà. Ça va en bas. Ça a toujours été en bas. Je sais pas pourquoi elle est en haut. Donc voilà, on atteint 3 coef 2 sur le Luna. On est plutôt bien pour du U9. C'est que le début. Le critical hit, on va le récupérer très rapidement, hein. On va récupérer un petit peu sur cette gemme quand on va pouvoir. Ah d'ailleurs, on va essayer. Là je suis fou et on va se quitter là-dessus. Étant donné qu'on a fait les lunars, on va crafter ça. Voilà, on va crafter ça, on va faire ça avec vous. On a deux essais.
c'est quitte ou double. Voilà. Hein. C'est de la vie. Si je me l'enlève, c'est pas très grave, quoi. Hein. Donc ici, ma cubit curtain, hein, qui est d'ailleurs qui avait proc ou ma cubit curtain, hein, deux fois sur le maxi. Ah bah si je viens tomber sur le critical hit, on va être plutôt bien, hein. Si vous voyez ce que je veux dire. Hein, c'est exactement ce qu'on a besoin là. Si on tombe sur le pétain critical hit, double proc en plus. Donc on aura. Il me semble pas qu'on ait plus de proc que sur le critical hit. Hein. Je vais faire le tour. Donc on en a un. On en a deux. Trois. Ah, il y a du schmilblick à faire. Hein. Bon, allez, on va essayer dans tous les cas. Si c'est pour perdre de la vie, je suis à 900 000, c'est pas très grave. On va reroll. Attention. 3, 2, 1. Critical hit, c'est bon, on n'y touche plus. Allez, salut. Bonne soirée, c'est exactement ce qui me manquait. On enlèvera. Merci, Mama du LOL, mais je vais pas tarder. Merci pour le. Ça fait plaisir quand même, mais ça sert pas à grand chose. Donc du coup, bah, au niveau des stats, on est bon. On est à 105. Donc du coup, on est très très bien. On est à 105, donc il va falloir que je... Bah, je finalement, je... Il y a une gemme où je vais devoir l'enlever. Attendez, on va essayer un truc. Hein, on va essayer un truc. Là, c'est le maximum heal. Il nous faudrait du physical. On n'en a pas. Tant qu'à faire, on est là. On a les trucs, on teste. Hein, qu'est-ce que je te dis ? Physical. Que demander plus en deux essais cette semaine alors que j'en ai fait des 12, des 13 où j'ai fait deux grosses gemmes et deux gemmes que je veux, deux stats que je veux, deux, les deux stats tombent. Que demander de plus? C'est magnifique. Ah là, je sais pas comment vous dire, mais je suis content. On est passé direct à 3-9. Bam! Wouhou! Ça, c'est du lunar. Il commence vraiment à... être lourd. Ça commence à être du quasiment lourd pour du lunar là. Du très très lourd. 2-4 c'est largement suffisant pour faire du 9. Ok, c'est très très bien. Là, là les stats que j'ai c'est pour le faire du 8-10 là. Hein. On est d'accord. Ouh, j'ai chaud. J'ai chaud, apportez-moi de l'eau, quelque chose. je vais me refaire un thé. Mais malgré tout, on va se quitter quand même là-dessus. Grâce à cette chance, encore une fois. Peut-être que finalement, la coupure d'électricité, ça m'a permis d'avoir de la chance. Arrête, Mama du LOL, s'il te plaît, ou sinon je te banne de la chaîne. Pour faire ce genre de choses, c'est complètement inutile. Je te remercie. Mais si tu commences à spammer les hosts, par contre, c'est pas utile. Voilà. Donc voilà, bah, sur cette chance, les amis, je vous dis à bientôt. Finalement, il me manquait du critical hit, j'en aurais plus besoin. Il va falloir que j'en retire à partir de maintenant. Les gemmes, je les laisse. Je vais pas trop changer de gemmes sur ce perso, étant donné que c'est pour du farm, du speed farm. À l'avenir, peut-être que je les montrerai à 100%. Voilà, je les montrerai à 100%. Mais, ah non! Tu es sérieux là? J'ai pas de critical hit sur celle-ci non plus, dis donc. Mais merde. Non mais au lieu du pourcentage, il faudrait que je mette le maximum heal sur celle-ci. Voilà. Donc il va falloir que je fasse la schmilblick quelque part pour essayer de d'équilibrer tout ça. On verra ce que je peux faire. 105, c'est ben il y a 5 de trop. Il va falloir que je réfléchisse pour sacrifier d'une gemme. Voilà. J'ai perdu la moitié de ma vie. Ben oui, parce que j'ai sacrifié là actuellement du maximum heal et non du maximum heal pourcentage. Ça, c'était à prévoir. Donc, allez, effectivement, si je pouvais avoir du maximum heal plutôt que du maximum heal pourcent sur celle-ci. D'ailleurs, elle a proc en quoi celle-ci? Elle a bien proc. Elle a proc une fois sur physical, deux fois sur critical. Elle est très bien. Donc, à la limite, la semaine prochaine, j'essaie de roll. Pour essayer de pas avoir du critical heal cette fois, mais maximum heal et non pourcent par contre. Parce que là, c'est du pourcentage, malheureusement. Voilà. Bon bah écoutez les amis, je vous remercie à tous. Désolé encore pour la coupure, je vais voir ce que je peux faire pour la rediffusion. Je vous dis pas demain, mais je vous dis après-demain les amis. C'était l'Organe sur Trove, et encore peace et encore merci pour votre soutien. Attendez, je vais mettre la webcam parce que sinon ça marche pas. Allez, peace.